Septième journée du championnat de Pro D2 au stade Charles Maton avec le match Oyonnax à Carcassonne. Derrière le capitaine Valentin Oursache, les Oyonnaxiens voulaient faire respecter la loi dans leur antre de Maton. Dans ces journées de l'arbitrage, un jeune arbitre donnait le coup d'envoi de cette partie. À chaleur, sur à la mêlée en ce début de match, avec Monsieur François Bouzac qui intervient. Carton jaune pour le pilier droit de Carcassonne, Xérum Civil. Les Audois en infériorité numérique réussissent tout de même à mettre à mal la défense adverse sur ce départ de Tuapati. Relais vers le deuxième ligne Landman. Celui-ci est repris par un plaquage de Doug Kojo. Toutefois, les joueurs de Carcassonne réussissent à scorer par le pied de Romuald Segui et mènent 6-3 sur la pelouse de Charles Maton. Les Oyonnaxiens réagissent en fin de première période sur un jeu au pied de pression d'Ensor. McMahon tente de se dégager, son coup de pied est contré, Tim Giresse est à la lutte. Faute sur l'ailier oyonnaxien, c'est Louis Marou qui est sanctionné. Essai de pénalité signalé par l'arbitre de la rencontre et carton jaune pour le centre Louis Marou. Sur cette action, McMahon est contré par Tim Giresse. Celui-ci est à la lutte avec le centre Louis Marou qui se met à la faute. À la mi-temps, Oyonnax mène 10-6, tandis que les jeunes champions de France A7 Krabos d'Oyonnax sont célébrés. Les Oyonnaxiens dans l'avancée dans le deuxième acte. La pénalité est vite jouée à la main par Jérémy Gondran vers Mirtz Koulava. Ballon porté créé par les Oyonnaxiens, désaxé et Benjamin Gélédan aplati un nouvel essai. Léo Bugiste qui mène 15-9. Nouvelle faute côté Audois et Xérum Civil hérite d'un deuxième carton jaune pour cette faute sur môle adverse. Le pilier droit récolte donc un carton rouge. En revanche, les Oyonnaxiens continuent de pilonner vers la ligne d'en-but adverse. Sur un nouveau mouvement, c'est Ensor en position de mine-mêlée qui adresse un ballon vert à Miles Edwards. Celui-ci est soutenu par Rory Grice et c'est un essai du deuxième ligne d'Oyonnax. Les Oyonnaxiens s'imposent 28-12 au stade Charles Maton, leur troisième victoire bonifiée en 4 matchs à domicile.